le groupe New World TV, qui a raflé les droits de diffusion des matchs de la Coupe du Monde au Qatar devant Canal Plus en Afrique francophone. Un exploit. On parle plus de 15 millions d'euros investis, les chiffres officiels. C'est l'Afrique qui gagne, c'est le Togo qui gagne. Moi, mon inquiétude, c'était, est-ce qu'il n'y a pas un non-africain qui se cache derrière ce groupe pour les financer? Mais selon les explications de l'avocat de New World TV, M. Louis Biao, et le directeur de New World Sport, M. Augustin Kofi Amenga, le groupe New World TV, c'est une société à capitaux africains. C'est-à-dire, ce sont les Africains de la diaspora qui ont créé le groupe New World TV. Ça me réconforte. Là, je peux affirmer vraiment et dire haut et fort, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le Togo qui gagne. Moi, mon souhait, c'est que vous allez gagner beaucoup d'argent. Après, vous allez payer les droits de diffusion de la Première Ligue, de la Ligue des Champions. Vous allez voir la magie qui va s'opérer. Et vous encourager de s'installer dans plusieurs pays en Afrique francophone ici. Gagner beaucoup de marché. L'Afrique se réveille. L'Afrique va avancer. Grâce aux gens comme vous. Les gens qui ont su créer le groupe New World TV. Merci.